Barouin. Bah, pour moi, François Barouin, c'est l'ancien ministre du budget et des finances aussi. Ancien ministre du budget sous Sarkozy, ça. C'est un mec de l'UMP. Je trouve qu'il est, oralement, c'est quelqu'un, c'est vraiment un très très bon orateur. Il est très très fort, mais parfois on a l'impression qu'il est un peu détaché de ce qu'il dit, comme s'il il avait tellement de recul qu'en fait il y croit pas. C'est un peu ce que je reproche. Pas très sincère finalement. Bah, on sait pas, ou alors c'est son style. Là, au Parlement, et c'était assez, il est assez flamboyant dans ses démonstrations en tout cas. Donc moi j'attends un peu de voir ça, et s'il peut nous faire un grand plaidoyer ou un bel orateur. C'est un ancien ministre, bien évidemment, et c'est déjà pas mal. Ou moins gaulliste, sans trop l'être. Qui n'avait pas essayé de prendre parti dans la bataille Fillon-Copé, donc peut-être qu'il a un rôle à jouer plus tard. Je sais pas, c'est un mec bien, je sais pas. Il est trop bon orateur pour être vraiment sincère, en fait. François Barra est très sexy, il a une voix, un bijou. Et bah, il a une très jolie voix. C'est tout ? C'est tout. Quelque chose à dire à Monsieur Barra ? Épouse-moi. Déjà, je le vois ministre avec un portefeuille assez important, je pense. Parce que qui que ce soit, il aura besoin de rassembler et donc de prendre tous les courants qu'il y a à l'UMP. Il me semble que Barouin, c'est plutôt un héritier de Chirac. Du coup, pourquoi pas ministre des Finances. Aujourd'hui, je pense qu'il fait partie des futurs potentiel candidat, même à la présidentielle. Enfin, je pense que c'était dans les jeunes qui montent un peu. Donc, je pense qu'il peut avoir un grand rôle après, si Copé lâche l'affaire. Barouin, il peut être n'importe où. C'est une figure de compétence qui, ouais, il est beau gosse, il plaît. Pas forcément au présidentiel déjà, parce qu'il est trop jeune et qu'il n'a pas encore été. Il n'a pas encore fait assez ses preuves finalement. Mais effectivement, comme Adrien, je voudrais bien ministre des Finances. Disent ce qu'ils pensent de l'actuel Premier ministre. Oui. De ce qui se passait peut-être au gouvernement à l'époque où il était ministre aussi. Projet dans les années à venir, est-ce qu'il va revenir sur la scène politique ou il va être économiste, faire autre chose? Pourquoi se dire gaulliste quand on l'est aussi peu, quoi, c'est tout. Bon, est-ce qu'il sera candidat en 2017? Est-ce que s'il était à la place de l'actuel gouvernement et de M. Cahuzac, en l'occurrence, qui n'est plus là, qui était en place, je ne sais plus, est-ce qu'il tiendrait mieux le budget ou ça lui semble impossible? Et est-ce qu'ils sont tous finalement victimes de la conjoncture? 3 heures, moi, je...